Bonjour mes loulous, on se retrouve au même niveau que la dernière fois sur No Man's Sky. On était arrivé ici, bon, désolé pour les petits lags. On va quand même explorer l'intérieur, hein. On avait vu que l'histoire avec la plante, mais on va voir s'il n'y a pas d'autres choses à prendre, à choper, machine endommagée, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, hop. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Des amas de nanites, c'est très bien, c'est très bien. On a vu qu'on en avait besoin pour développer vraiment notre personnage. Donc voilà, hop, là je peux pas aller, j'ai pas le pass alpha. Restaurateur de santé. Des isotopes. Isotopes. Voilà, et le reste est pété donc. On ne sait rien obtenir. Désolé. Bon. On reprend le vaisseau. Carburant insuffisant dans le propulseur de décollage. Ok. Il faut du plutonium. On n'en a pas assez. On va essayer d'en trouver du plutonium. Est-ce qu'il y en a ici autour? PT, c'est du platine. PU, je crois que c'est plutonium. Avec le rayon d'extraction. Donc ça, du plutonium, il va falloir aller en rechercher. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Du fer, du zinc, on s'en fout un petit peu du fer et du zinc. Là-bas et là-bas, du plutonium. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a le vaisseau que forcément après on est tranquille, on peut continuer avec notre vaisseau et plus s'occuper du reste. Hein. Et là-bas, la main verte. On va aller voir après ce que c'est. Étape de voyage atteinte, une nouvelle. 10 km parcourus. Comment on a fait depuis le début avec notre petit personnage à pied. Hein. Bon voilà, là je vais aller voir ce que c'est comme ressource. Je vais déjà recharger le propulseur ici. Ok. On a encore un peu de place là, donc on pourrait transférer des objets. Ah ben on avait l'antimatière, donc on doit faire la technologie suivante, je crois. Quand on sera arrivé au vaisseau. Bon, qu'est-ce donc comme ressource? Du nickel. Est-ce que j'ai la place pour mettre du nickel? J'ai la place là pour mettre du nickel, donc... On va... Bon, ça on va déjà... Jeter, ça ne vaut pas grand-chose. On va transférer les nanites. Et ceci. Allez hop, on va aller farmer un peu de nickel. On va pouvoir le revendre. Sauf besoin. J'aime bien la destruction des blocs, sérieusement. J'aime pas laisser les blocs en l'air tout seul. Ça vaut combien du nickel? Ah ouais, 138 chacun. Comme il y a peu de chances qu'on vienne. Parce que s'ils nous demandent de faire un saut vers une autre galaxie, vers un autre système solaire, il y a peu de chances vraiment qu'on revienne dans celui-ci. C'est pas ici qu'on va s'installer. Voilà, allez hop, on retourne à notre vaisseau.
système de survie à 75%. Ça, on l'a pas analysé autant le faire. Du carbone. Du carbone, c'est toujours intéressant à avoir. Là, il y a encore un peu de carbone. Maintenant, ici, est-ce que je peux... Ouais, ça, c'est le tout. C'est pas ici que je l'ai. C'est dans les technologies. Hyperpropulsion. Cellule de distorsion. Ok. Ah, je me trompe de touche. Excusez-moi. Cellule de distorsion. Et donc, dans les technologies, maintenant... Voilà. Améliorer l'exocombinaison. Dispose de 3 inventaires. Général, technologie, cargaison. Fabriquer du carburant. Accéder à l'inventaire et fabriquer avec... On l'a fait avec l'antimatière. On vient de le faire, fabriquer une cellule de distorsion. Mais où il veut que je trouve encore de l'antimatière? Bon, allez. Installation de production. On est parti. J'ai peut-être pas assez l'antimatière en fait. Mais là j'ai pas envie de me prendre des cailloux moi. Vallonné ici, il va falloir faire gaffe. Ok, il va se garer bien loin. On arrive, on analyse un max. Hein. Ici du carbone, on va en trouver. Hein. Hein, là-bas du plutonium peut-être. Titanium 9 et plutonium, magnifique. Bon, on va sauver après. D'abord voir ce qu'on nous raconte ici. Ah bah oui, c'est là où on était venu tout à l'heure, en fait. Enfin, dans la vidéo précédente. Ce qui nous embête, franchement, parce que, voilà, j'ai créé une cellule de distorsion. Thank you.
Il me faut de l'antimatière, je viens, mais il n'y en a plus. Moi, je vais déjà aller chercher ça. Alors, il va falloir que j'en achète, peut-être. Alors je pourrais le produire ici directement, mais alors je vais m'attaquer au robot. On va sauver avant. Dio va le faire. On va casser cette porte. Bon ça on va regarder. On va bien tout recharger. Hop, du carbone. Le lance-foudre, il est bon aussi. On sauvegarde, on revendique. Je sais plus c'est comment pour taper avec son arme. Donc on va vérifier. Tac tac, corps à corps, c'est le. Ah. Voilà, ils ont pas trop apprécié. Ça ne recharge pas automatiquement cela, malheureusement. Voilà, il n'y en a plus. Ok. J'avais cru que c'était un laser rouge, excusez-moi. C'était 3, on en a eu 2. Ah voilà, le troisième est là. Inventaire plein. Oui, ferrailleur, on a tué 5 sentinelles, youpi. Allez, hop. Ce que j'ai, oui, j'ai l'utamium ici, l'iridium et l'iridium, donc je peux les mettre, ça, je vais pouvoir transférer aussi, transférer, et un pack de plutonium, ok. Ils sont vraiment pas contents que j'essaye de rentrer. Hein. Alors, je vais retourner jusqu'au vaisseau pour reprendre un peu d'énergie. Ça, tant pis, les étapes de voyage. Ici, c'est bon. Là, on va le recharger. Otanium. On est reparti. On te recharge tout de suite. On va gagner du temps comme ça. Je vais peut-être reprendre un peu de carbone, pour être certain. On ne sait jamais. Je crois que ce sera suffisant.
Ok. Toi, on te jette. Toi, on te jette. On n'en a pas besoin. Toi, par contre, on te prend. On voit que notre santé va mal, hein. Je ne sais pas remettre cette armure en état à ce que je vois. Et en technologie, je sais rien. Bon, je vais déjà regarder ce qu'il y a au sol. Des amas de nanites, c'est déjà ça. On voit que l'armure est en train de remonter petit à petit. Donc. Les amas de nanite, on les transfère, ça on le sait bien, module ici. On va y arriver, hein. Ok. Désolé toujours pour ce transfert que je fais. Mais voilà, j'ai pas trop le choix. Choper du zinc, il me faut un petit peu du zinc, quoi. Bon, c'est les amas de nanite qui m'intéressent. Voilà ça, par exemple. Casser, tant pis, on va voir ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur. Ok. Une fois qu'on est à l'intérieur, on peut plus attaquer. C'est mal fait ce truc. Voilà, c'est réglé. Je te vire. Hop.
Il n'y a plus de sentinelle et on peut rentrer. On va voir un petit peu ce qui se trouve ici dedans. Et déjà, est-ce que je peux me remettre de la vie? C'est quoi? Premier corps fracturé. Oh non, sentinelle détruite. Ok, on s'en fout. Extraire de nanite. Pour commencer. Restaurer le bouclier pour continuer. Et on va regarder ici ce qu'il nous dit. L'écran est ouvert de... L'écran est couvert de recettes de produits, mais le système plante. Un message d'erreur apparaît, assorti d'un compte à rebours. J'enregistre ces données avant une réinitialisation au système. Le terminal se relance et je reçois une récompense. Une selle d'ammonium. Ouais, tant mieux. Mais c'est pas ça que je voulais. Hop. C'est pas ça que je voulais. Il me faut de l'antimatière. Et ce n'est pas ici que je l'obtiens, cette antimatière. Ce qui est assez embêtant. C'est rien faire d'autre. Bon, j'espère que c'est pas un bug, parce que je l'avais fait juste avant la vidéo, cette antimatière. On va re-sauver. Et je dois vous avouer que là, je suis un petit peu perdu. Sur la suite de l'aventure. Bon, on a beaucoup trop de choses dans notre inventaire. On va retourner à une station spatiale. Et on va sauvegarder et arriver à la station spatiale. Voilà, on est dans l'espace. Il y a une station là-bas. Allez hop. Ferry va fabriquer de l'antimatière, lui. Alors, on a un point de restauration. Et là, comme un con, j'ai lancé mon jetpack trop tôt. Galactique. On commence par là. Est-ce qu'ils vendent de l'antimatière? Mais non, bien sûr, ils en vendent pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, vendre des articles. Ça on a dit que c'était à vendre. Plutonium on garde. Ça, on va le vendre. Inventaire du vaisseau, qu'est-ce qu'on a? Du nickel, on le vend. Le module, on le vend. Le zinc, on va le garder pour l'instant. Damium aussi, l'iridium. On le vend. C'est vraiment, vraiment dommage. Faut que je trouve une solution. Parce que voilà, si je sais pas l'avoir ici, comment voulez-vous que je fasse?
on est bloqué parce qu'on n'a pas d'antimatière. C'est juste l'estime en plus. Alors j'ai rien contre l'estime en plus, hein, mais là, franchement, c'est pas ce qui m'intéresse. On va changer les amas de nanite. J'en ai combien? J'en ai 200, c'est déjà mieux. Module de santé, accroît la santé en cas d'échec des principaux. Peut-être pas maintenant. Ici, nager sous l'eau, on s'en fout un petit peu. Scan botanique, on s'en fout. Et nager sous l'eau toujours. Et ça m'aide pas du tout, mais vraiment pas du tout. Responsable de mine. Voilà, j'ai appris le mot donné en geek. En geek, geek. Enfin, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Et là-bas en face, on n'aura toujours rien. Donc mes petits loulous, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite... Ah, attendez, j'avais peut-être quelque chose encore à faire ici. Hop, on passe. Niveau du journal, bah, toujours la même chose, hein. Éveil, hein. Fabriquer du carburant. Au niveau des découvertes, bah, je vais pouvoir balancer des petits trucs. Là, on a tout donné. On a tout donné, ok. Ici, par contre, on n'avait rien donné. Et c'est 275 000. Ok, on va l'envoyer. On va l'envoyer. C'est des crédits, hein, tout ça. Donc autant les prendre. Crédit gratuit, ça fait toujours du bien. Désolé pour la petite musique. Ouais, vous voyez, les crédits, ça a un petit peu augmenté quand même, hein. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on va faire. Je vais essayer de trouver une solution. Ça c'est quoi? Une ruine sur la planète. Bon ben je vais essayer de trouver une solution, mais ce sera par la suite, ce sera pas dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous, au revoir.